Yeah! La vue sur la mer, ça c'est magnifique. Ah bah t'es bien là! Ah! Athéna, tu peux sortir. Non, pas sur celui-là! Coucou Athéna, coucou Calice. Coucou. Comment ça va aujourd'hui les filles? Ça va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour les enfants, bonjour les animaux. Aujourd'hui c'est une vidéo spéciale hôtel. Regardez, là on arrive au Western Camp Resort à Energylandia. On va passer 2 jours à Energylandia, 2 nuits dans cet hôtel. Il y a plein de choses dans cet hôtel, on va voir ça dans une autre vidéo. Mais avant, on va se faire un petit medley de tous les hôtels qu'on a fait durant notre trip pour venir jusqu'ici en Pologne. On est en Pologne. On a traversé 7 pays en comptant la France. Donc France, Allemagne, Autriche, Hongrie, Slovaquie, Tchéco et Pologne. Tchéquie. Ouais, Tchéquie, pas Tchéco. Mais on n'a pas dormi en Tchéquie. Dans les autres pays, on a dormi. Bon, bah on voit ça maintenant. Ouais. Avec des sautages sur le lit, avec des surprises, etc. Ouais. Allez, c'est parti. On se retrouvera plus tard dans quelques jours pour voir ce magnifique hôtel et Energylandia. C'est parti pour le medley. Oui. Il est là, l'hôtel. Bon, ça y est, on est arrivé dans ce premier hôtel où il fait nuit. Nous sommes dans une commune dont j'ai oublié le nom, mais je l'ai indiqué à l'écran juste avant. Voilà, notre premier hôtel, plutôt sommaire, mais il n'y a pas grand chose dans la région. Dans la région ? Dans la région. Ah. Et vous l'avez vu dans quelques jours, c'était pour aller à Tepakap Beach. Alors, il y a des toilettes ici ? Oui. Attends, attends. Ouais. Bonjour à tous. Ah, vous êtes déjà sur le canapé. Sautage de lit en règle, je vous propose de sauter sur celui-ci parce que là et là, il y a des lattes. Et les lattes en bois, c'est du vécu, ça pète. C'est du vécu. Ouais. Bon, hé, on commence doucement ces premiers hôtels. Pour la première fois cette année, je vous propose un medley de sautage sur le lit dans les hôtels avec une surprise chacune que je vais cacher dans la pièce. Je cache ça et on se retrouve maintenant pour que vous cherchiez vos premières petites surprises. Voilà, c'est pour le fun, c'est les vacances. A few moments later. Ça y est, puis vous pouvez vous retourner. J'ai caché vos 2 premières surprises de ce trip en Europe avec l'arrivée. Vous allez voir en Pologne, parce que vous avez gagné un voyage en Pologne, toi Calice, quand on a fait le challenge ballon de foot. Eh bien, c'est parti. C'est parti. Alors, c'est pas dans la salle de bain, allez, on commence doucement, c'est dans la pièce ici, la pièce principale. Une surprise chacune. Si vous pensez que ce n'est pas la vôtre, eh bien, ne la dévoilez pas. Ou sinon, vous laisserez votre sœur chercher l'autre. J'en ai trouvé. Pourtant, elles ne sont pas hyper bien cachées. C'est ça la surprise. Ça va faire bip ça. Mais non, c'est pas ça. Dans le frigo. Dans le frigo. J'ai vu, moi. Et le frigo est vide. Je l'ai vu. Où est-ce qu'il peut être? Non, il peut. Bah heureusement que je ne les ai pas hyper bien cachées. C'est vrai, hein? Bah ouais. Bon, Caïs a déjà trouvé la surprise de sa sœur. Est-ce que toi, Athéna, tu as trouvé la surprise de ta sœur? Ouais. Hein? Ah bon? Ouais. Elle est où? Ah ouais? Ah bah vous avez trouvé chacune la surprise qui n'est pas pour vous. Ah! Athéna a trouvé! Il reste plus que Calice, bravo! Ah, il est trop choupi cette petite peluche de Adèle, premier hôtel. Ah! Bravo Calice! Un manga, le tome suivant de ta lecture de My Hero Academia. Même s'il lui manque de Macadamia. Super. C'est le 35? Bon bah bravo, c'est parti! My Kiwi! Pour, on continue ce medley d'hôtel, on passe maintenant à l'hôtel. Numéro 2. La deuxième. Oh. Et on arrive dans le deuxième hôtel, le Schwanen. Hier on était à Philippsburg et là on est à Kongen. Et on est en Allemagne. Ya. Yeah. Ya 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 ya. Allez, c'est la 207. Je vais déverrouiller la porte avec mes talents de cambrioleuse. Ouais, bah c'est facile aussi quand on a... J'ai pas de clé. Ouais. T'as vu, j'ai des super... Oh, y'a de la pomme. J'ai des super talents de cambrioleuse. Je sais pas par où commencer. J'ai des super talents de cambrioleuse, t'as vu? Ah ouais. Gute Nacht, bonne nuit. Y'a des petits bonbons Haribo. Haribo, forcément, c'est allemand. Et au niveau de la vue... Hop. Ah, oh, on a vue sur la mer. C'est vrai? Ouais. Oh, la mer. Allez-y, sautez sur le lit, faites-vous plaisir, là vous pouvez y aller, il n'y a pas de latte dans ce genre. Seulement ce que je sais dire en allemand, c'est Guten Tag et Mein Kartoffel. Et Krimkenhaus. Oui. Et voilà, on a saboté tous les... You. J'espère que t'es fier de nous. Ouais. Papa. Et voilà. Shoot. Ah. Guten Nacht. Alors au niveau des
de la salle de bain. Coucou. C'est sobre, c'est design, c'est efficace. Il y a pas la cafetière encore, tiens. Il y a pas d'autre lit? Non. Tu dors dans le canapé. Si, il y a le canapé que fait. Dans le canapé. Maintenant, je vais falloir que je cache des surprises. Moments later. Allez, c'est bon, vous pouvez venir. Il est beau ce cadre aussi. Ouais. Alors, où sont cachées ces surprises? Non, c'était pas ça, surprise. Oh. Athéna, si tu cherches bien, il y en a une deuxième comme ça. Oh. Ah, t'as trouvé. Du pepper. Une petite surprise pour faire de l'aquarelle. Oh, ça c'est bien. Que j'en avais pas. Ah ben c'est cool, c'est une belle petite surprise. T'as une deuxième boîte avant de... Ah, j'ai une boîte. Et regardez, c'est la... Tesla. Tesla Model X, par contre, c'est pas la Model 3. C'est une mini voiture. Et par contre, c'est ma voiture. Tu chauffes, tu chauffes, tu chauffes, Athéna. Ah. Oh. Et là, on sent une petite voiture rigolote, puisque c'est le camion de glace. Tu sais qui fait de la musique quand il arrive. Ah oui, le fameux. Alors, waouh. Hey. Petite voiture. C'est la première fois que je vois une miniature de Tesla. Bon, c'est pas la 3, mais c'est sympa. Hein. Mm-hmm. Ça ressemble un peu d'ailleurs quand même. Passe. Oh, oh comme il est beau ce camion. Eh, hey, on le grave bien. Deux voitures pour Athéna et un bloc papier pour Calice. On se retrouve demain pour la troisième nuit pour continuer ce medley des hôtels. À demain, à tout de suite. À tout de suite. Et voilà, ça y est, on est arrivé à notre hôtel, la Media Hôtel. Eh ben dis donc, c'est un grand couloir, chambre 416, les filles. Et waouh, et nous sommes toujours en Allemagne, à une heure de Helgoland. Et la lumière soifue. Et la lumière soifue. Oh, eh, c'est trop choupinou. Oh, c'est trop choupinou. T'as vu? Moi, j'ai un grand lit tranquillou. Je peux me mater the TV en allemand. Vous avez un gros rhinocéros qui est franchement stylé. Ça fait même pas peur, en plus il est coloré. Ah là oui. Franchement, ils disent, oh puis il y a la machine à café, enfin la machine à café. On va redormir là au retour. On peut même se faire des pastas si on veut. Ouais, j'adore. Wow, allez, on va sauter sur le lit. Après on va voir la salle de bain et les surprises va, bien sûr. Bien. En vrai ça va. Attends. Et regardez. Bravo. On a vu. Sur la mer. Ah, ça... oh bah super. Moi c'est ce que je préfère quand je suis dans un hôtel, en tout cas c'est vraiment la douche à l'italienne ou à la monde. Bon, ben bah maintenant vous allez fermer les yeux, moi je vais cacher vos petites surprises du jour. Ok. A few moments later. C'est bon les filles. Il y a même une magnifique peau de vache. C'est parti. Où sont les surprises? Carrément sous la lampe. Là-bas. Elle est pas sous la lampe. Elle est dans la machine à café. Elle regarde sous le lit. Oh, il y a un trou pour les câbles. Elle essuie les placards. Athéna, regarde. Je vais où la foule, Athéna? Ah, ah, cette petite surprise. C'est ça. Que je me suis dit, c'est les vacances, il va faire hyper chaud en Allemagne. Ah. Comme l'année dernière, on n'en pouvait plus tellement il faisait chaud. Mais là, tellement il pleut. Je sais pas si tu vas l'utiliser. Mais en tout cas, c'est ta surprise, Calice. Bravo. Ouais. C'est un petit ventilateur de poche que tu peux recharger via une petite prise USB. Il est déjà chargé? Ah, c'est agréable. C'est agréable. Bon, alors Athéna. Allez, là, en fait, on revient de Legoland. Allez voir notre vidéo à Legoland Dutch Land, en Allemagne. Donc. Et donc, c'est une petite surprise placée sous le signe de Lego. Non, tu refroidis par là. Ouais, non, tu refroidis. Ouais, tu, oh, tu réchauffes, ouais, tu réchauffes. Voilà, ouais, c'est chaud, mais c'est peut-être pas cool. Ouais, c'est... Oh, tu chauffes, tu chauffes, hein. Tu brûles, t'es bouillante, t'es bouillante, t'es bouillante, t'es bouillante, attention, oh, attention, c'est chaud. Et voilà, c'est petite surprise. Placé sous le signe de Lego. Il y en avait plein, des comme ça, à Legoland, d'ailleurs. Des petits magazines, je sais pas ce qu'il y a dedans, on n'a pas lu du tout. Avec une petite surprise, alors, j'ai pris Minecraft, forcément. Tu vas pouvoir monter ça et lire le petit magazine. Bon, très bien, alors on se retrouve demain pour la suite de ce medley dans les hôtels de notre trip vers la Pologne. Et à très vite, gros bisous. Et voici notre quatrième hôtel, quatrième étape, quatrième nuit. Et là, nous sommes en Autriche, à l'hôtel Valner. Qu'est-ce que tu fais? C'est un bonhomme, il a deux yeux et une grosse bouche. Il est génial. Oh.
Bravo. Jolie porte en tout cas, joli couloir, très coloré. Est-ce qu'il faut mettre la carte? Et que la lumière soit. Et la lumière fut. Oh, c'est grand. Avec des belles petites fleurs. Oh. On a une télé. Vous avez même votre petite chambre. On a une télé. Et vous avez la télé. Mais c'est royal. C'est magnifique. Ça va être bien, hein? Ah ouais. Ouais. En plus, je crois qu'on a vue sur la mer, si je ne me trompe pas. Ça, j'y tiens. Oui, vue sur la mer. Comme d'habitude. Et il y a un mini bar, on voit que ça. Il y a une plante. Vous pouvez souhaiter son sourcil hein, si vous voulez. Allez. Oh. C'est plus facile à deux en plus. Ah, on dit bien. Ça n'a plus la force de sauter parce qu'en fait, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo déjà, mais c'était Trampoline Park à Munich. Avion. Est-ce qu'il y a une salle de bain? Il y a deux portes. Là, je suis mise sur les toilettes. Et oui. Et là, je vais donc sur la salle de bain avec une douche. Une baignoire peut-être. Une douche. Oh, elle est belle. Elle est très belle. Ah, c'est un labyrinthe en fait. On peut se perdre ou pas? Non. C'est un cul-de-sac. Super joli. Avec un petit gel douche ici. Franchement, on va être bien. Bon, bah c'est cool. Je vais cacher les surprises. Ok. Moments later. Les filles, vous pouvez sortir. Athéna. Ouais. Coucou. T'as terminé? Ça y est. Les surprises sont cachées. Une surprise chacune. Et une surprise? C'est parti. Okay, ça fait la procédure habituelle. Fouillage de placard. Un minibar, je sais pas regarder ce qu'il y a dans le minibar. C'est bon. Déjà? Ah bah t'es où? Dis-moi. Sur le coussin, là-bas. Lequel? Ouais, exactement. Et c'est ta surprise, c'est un double jeu de cartes pour faire les tours de magie. Un bleu et un rouge. T'es contente? Oui. Ça peut me faire encore des tours de magie. Un deuxième minibar. De fou. Ah, il y a deux minibars. C'est n'importe quoi. Ouais, c'est deux minibars, c'est dingue. Mais ils sont tous les deux vides. Ouais, ça sert à rien. Ouais. Bon, par là, tu refroidis. Hein. Ah, je te le dis. Non, trouve les, pas. La liste, les deux n'étaient pas dans la même pièce, donc. C'est pas fait encore par elle, ben voilà. Oh, t'as rien dit toi, Athéna? Tu l'as pas trouvé? Si, c'est quoi? Et c'est un jeu. Oh non, ça fait longtemps pour jouer ensemble. Un petit jeu unlock, ça faisait longtemps. Ouais. Mais c'est un jeu style jeu de cartes, voilà, y a pas de boîte. Bon, ben voilà, ça vous plaît cette chambre? Ouais. Bon, très bien. Ben alors profitez-en, on va se reposer. On est crevé et on va se retrouver demain pour la suite de notre périple, ce medley hôtel et sautage sur le lit et surprise. Allez, à demain, gros bisous, et c'est maintenant tout de suite la suite. Allez, on est à Sopron pour cette cinquième nuit dans l'hôtel Pannonia. Et nous sommes en Hongrie. On va essayer cet hôtel, attention, on entre, on va faire du sautage de lit avec des surprises. Ouais. Et ça y est, on est dans couloir devant nos deux chambres. Alors deux chambres, je suis allé voir juste avant quand même parce que je trouvais ça bizarre deux chambres. Donc ça va, les deux chambres communiquent en fait, c'est assez grand. Non, c'est la mauvaise carte. Ah, c'est ici. On va avoir de la place encore. Okay. J'ai déjà tout allumé. Oh, de la place. Il fait bon. Wow. Hein. C'est grand. Alors ça fait un petit peu classique. Hein. Ouais. C'est vraiment un hôtel. C'est pas un hôtel moderne, mais c'est un hôtel quand même qui est assez spacieux, assez classe quand même. On a deux toilettes. Oui, oui, c'est deux chambres à part, sauf qu'elles communiquent par ces deux portes-là, quoi. Donc là, dans les deux, c'est toujours pareil. J'aimerais bien. Vous avez une baignoire, j'ai une baignoire et un bidet. Ça fait longtemps que j'ai pas mis un bidet. Ouais. Des toilettes, sauf chez les grands-parents, j'ai pris un bidet. Des toilettes aussi d'ailleurs. Et là, normalement, c'est la même chose. Exact. Et plus ça va, plus c'est spacieux. C'est ça. Après, on aura un château. On a deux chambres à part. La nuit prochaine, on aura deux hôtels à part. Bah j'ai plus qu'à cacher. Allez, surprise, bah j'ai cache dans... Je sais pas. Les deux. T'allais pas aller avec ta soeur. Allez, je vais cacher les surprises. A few moments later. Ok les filles, c'est caché, vous pouvez sortir. Hé. Allez, hey, c'est hey. Parti. Allez, la première qui trouve quelque chose. A gagné. Non, ça c'est la clim. Ah ouais. Midi bar. Toujours vérifier dans le midi bar. Eh oui, on sait jamais. Rien de ce côté là. Salle de bain. Il y avait une araignée dans la salle de bain, on a été très contents de la noyer. Waouh, c'est génial. Ok, ça fait toujours les tiroirs et pas car. Hé, regarde ce que j'ai trouvé. Quoi? Plein de mille cœurs, mais il est tout fondu. Quelqu'un qui l'a oublié? Je sais pas. Bon. Ah ouais. C'est bizarre. Je pense que la femme de ménage, elle regarde pas tous les tiroirs peut-être. Il y a tellement de tiroirs. C'est bien, c'est compliqué ce soir. Je vais dans l'autre.
Oui, bravo Athéna, t'as trouvé. En plus, c'est ta surprise. C'est une petite boisson, c'est un soda, je crois, aux fruits exotiques. Avec elle est dans cette chambre, l'autre surprise, je viens de trouver là. Avec un arc-en-ciel dessus. Ah, tu refroidis par là. Ce téléphone. Non. C'est ça, c'est ma surprise. C'est pas ça. Ah, je le disais aussi, elle était très très mal cachée. Ah, bah voilà, ça se réchauffe. Ah, 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 oui. C'est genre les trucs qui sont trop bons. C'est des chewing-gums. Voilà, avec plusieurs parfums. Non, c'est mes miens. Et évidemment, on a vu sur la mer. Hé, il y a une terrasse. Une giga terrasse, même. Attention, allez, vas-y, rentre. Enfin, sors plutôt. Bon, là, il fait nuit. Mais, mais demain matin, on essaiera de filmer mais de la terrasse du quatrième étage qui est là. On peut même descendre par l'échelle si on veut. Avec des transats pour dormir. Si vous voulez dormir à la belle étoile, vous pouvez. On n'a même pas sauté sur les lits. Allez, on saute sur les lits. Tu vas le casser. Attends, c'est des lattes? Je sais pas. Mais moi j'ai peur. Non, tu vas le casser. Donc ça, on va dire que c'est vos lits alors. On se retrouve tout de suite pour la suite de nos aventures, oui, de sautage sur les lits, de surprise dans les hôtels. Le lendemain. Bon, on vient de se réveiller, on est sur la terrasse de l'hôtel au quatrième avant de passer à l'hôtel suivant. Et puis là, bah, on va retourner en Australie, en Autriche. Et puis on va continuer là pour la suite des hôtels maintenant. Mais regardez comme c'est beau, on est sur la terrasse, quatrième étage. Et ça, c'est la ville de Sopron. Et là, c'est l'autre côté de la terrasse avec le centre-ville de Sopron. C'est trop joli. On arrive à terrasser. Quelque part ici, on est en plein cœur du centre de Bratislava. Bon, les filles, ça y est, on est dans l'hôtel. J'ai la clé. Nous sommes dans la chambre février. Alors, on est en plein centre de Bratislava, en Slovaquie. Pour la première fois de notre vie, on va dormir en Slovaquie. Hop! C'est plutôt correct, cela dit, hein, c'est propre. Ah, oh, il y a même des petits chocolats ou du café, je sais pas. Peut-être café. Mais l'avantage, c'est qu'on a quand même vu sur la mer. Et ça, en Slovaquie, c'est quand même assez rare. Hein. Ouais. Voilà, on a vu sur la mer. Et ça, c'est magnifique. C'est joli, ce bâtiment. Oh, la mer. Waouh. Regardez au niveau de la salle de bain. Elle est où, la lumière? Ah, merci, Calice. Coucou. Omelette, un petit lavabo. Bon, bah, écoute, pour dormir, je pense qu'on va quand même kiffer. Il y a même des... du gel douche et tout. Bon, ça vous plaît quand même pour la nuit? Oui. Oui, parce qu'après on fait la route demain. Et demain on passe par la Tchéquie. Et voilà. Et en fait, en moins de 12 heures, on aura fait 3 pays. Effectivement, on aura fait l'Autriche, on aura fait la Hongrie, et là on est en Slovaquie. Et un petit peu de sautage au lit avant les surprises. Pas trop crevé après cette journée encore de vacances épuisante. Ok, allez reposez-vous. Moi, je vais cacher les surprises. Moments later. C'est bon, vous pouvez ouvrir les yeux ou aller chercher les surprises. Athéna, elle dort. C'est moi qui vais trouver les deux. Comme tu veux, Athéna. Ouais. T'as déjà trouvé la première surprise? Ah bah c'est la tienne. Ouais. Dans la poubelle directement, hein, fouille. Ouais. C'était dans la poubelle. Alors c'est une semi-surprise parce que c'est toi qui l'avais choisi en fait dans un magasin. Oui. Athéna cherche. Alors. Là, là, dans cette pièce-là, c'est good dans cette pièce-là. Oh, il est trop beau ton petit lapin. Ouais, trop choupi. Alors, pareil, tu refroidis. Ouais, ça chauffe. Ouais, ça chauffe, ça chauffe, ça brûle, hein. Oh là, t'es bouillante, t'es bouillante. Oh, qu'est-ce que c'est? Mmh. Waouh, t'es contente? Mmh. Ouais, ça, tu voulais c'est aussi, bon. Hein. Quand on a fait notre chasse au premier tour scolaire, elle voulait des stabilos. J'ai dit, mais non, il y en a plein à la maison. En plus, c'est des Faber. Castel. Merci. Et voilà. Et puis finalement, bah, je lui ai pris. Voilà, c'est la petite surprise. Mmh. Et bon, je vais l'utiliser maintenant. Va te reposer. Mmh. Repose-toi, tranquillou. On va tous se reposer. Et demain, petite route sympa en Tchéquie. Et on se retrouve bah, là maintenant pour la suite de nos aventures. Et on sera en Pologne pour le prochain hôtel dans quelques secondes. Maintenant. M'a piqué lapin. Et je vais te le donner ton lapin. Le lendemain. Bien dormi? À Bratislava. Regardez ça, je ne l'ai pas montré. Un petit truc. Un beau souhait, Guten Tag. Et on ouvre la porte comme ça. Au revoir. Et regardez. Ça se flanque comme ça. Là, c'est vraiment un ascenseur. On
Ouais, ça part d'un coup. Voilà, un ascenseur slovaque, quoi. Il pue tout jeune, hein. Un porno. Et voilà. Et on tourne ici. Et c'est fini. Incroyable. Ça y est, on est arrivé dans le nouvel hôtel. Le Novotel. Et nous sommes en Pologne, ça y est. On est à Katowice. Et demain, ce sera pas d'attraction, mais ça, on verra ça dans une autre vidéo, évidemment. Et ça y est, on est au deuxième étage du nouveau hôtel et nous sommes à la chambre 220. Ah oui, c'est là. Allez, à toi l'honneur, Athéna. Oh. Il faut peut-être mettre la carte dedans. Ah, non, il y a déjà une carte. Ah oui, parce qu'il y a la lumière. Alors, salle de bain avec une douche. Avec du gel douche, du shampoing. Hello! Et puis, ben voilà, sobre et efficace. Oh, il y a une machine à café, mais c'est style bouilloire, d'accord. Avec un magnifique cadre monochrome, ou presque. Il y a une bouteille d'eau, bon, sauf qu'il n'y a pas d'eau dedans. Et bien sûr, on a vu sur... La mer. La mer, comment vous savez? Bon, allez, c'est l'heure du sautage sur le lit, je vous propose de sauter plutôt sur ce lit-là, oui. Oh, ouais. Elle saute plus, Calice. Oui. Et je vais cacher des surprises. Ça va partir en cacahuète. A few moments later. Ça y est, vous avez bien fermé les yeux. Vous pouvez chercher vos surprises. Oh, j'ai mes chaussettes. Mes surprises. Alors, Athéna cherche dans la salle de bain. Et Calice, ouais, elle cherche les tiroirs pour fouiller dedans, mais il n'y a pas trop de tiroirs ici. Tu cherches comment allumer la télé? Ouais. Bon, c'est bien, c'est que vous êtes froides toutes les deux pour l'instant. Hein. Ah, ça veut dire que c'est l'inverse. Allez. Ah, un placard, elle est contente. Ouais, un placard. C'est un coffre-fort. T'as regardé dans le minibar. Tu l'as pas ouvert. Bah non. Jamais. Mais on voit à travers. Je sais, c'est une blague. Ça a rien de... Oh, c'est allumé. Génial. Pourtant, c'est pas très grand. Mais vous avez du mal à les trouver. Ouais, tu les as bien cachés. Alors... Ça va durer longtemps et Calice elle va trouver. Ah mon pété coffre fort. Non, c'est pas là-dedans. Ah d'accord. Bon. Donc. Tu t'en as pas caché. Si, bah si. Attends. Ah, je dis les indices quand il y en a une qui a été trouvée déjà. J'ai trouvé. Ah. Ma veste. C'est quoi? C'est sa surprise. Ah, Athéna. Voilà. Oh, bah, du petit jeu. Du petit jouet, allez, des Smashers. Elle était brûlante, Calice. T'étais où quand t'as dit j'ai trouvé? Là. Non, pas du tout. Et ben voilà. C'est là. Un petit casse-tête. Il était où? Il était sur la poignée de porte. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle marcher sur la planche, un casse-tête avec des ficelles et des bâtons. J'ai vu ça. À nature et découverte. Voilà. Alors, c'est parti. Ça marche bien. Ça marche trop bien. Un rat. Un rat. Comme dans un parc d'attractions, on a fait 5 fois de suite de l'attraction du rat. Un Family Park. Allez voir la vidéo. C'est, franchement, c'est génial. Il est trop bien. Et ça, c'est un casse-tête. Et là, il y a un diplodocus. Ça se présente comme ça. On va peut-être pas le faire. Il y a un diplodocus parce qu'il y a deux œufs. Du coup, il y a aussi un diplodocus. Ça, je suppose qu'il faut les désolidariser, c'est ça? Bon, bah, bonne chance, good luck. Good luck, et on se retrouve non pas demain, parce qu'on sera dans le même hôtel, dans la même chambre, mais après-demain, pour la suite de nos aventures. Pour la suite de nos aventures de notre medley des hôtels. Allez, à tout de suite, là maintenant. Voilà, le temps de faire. À tout de suite, les filles. À tout de suite. Le lendemain. Décidément, tous les matins, il y a quelque chose en plus. Regardez. Là, il y a des vélos qui passent. Et aujourd'hui, c'est le tour de Pologne. Et là, c'est le départ de Katowice. Et en plus, il pleut. Allez, 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 allez. Allez, un nouvel hôtel ici en Pologne. Chambre 514, c'est par là. Joli, hein? Il y a une belle piscine comme ça. On s'approche. Prochaine à droite, peut-être? Ah! Ouais! Ouh! Ça sent bon, hein. Mmh. Ça sent
Un petit parfum oriental en fait. Très agréable. On est bien, hein? Ouais. Magnifique, avec un petit balcon et bien sûr la vue sur la mer. Comme d'habitude, ça j'y tiens. C'est énorme. Et on saute sur le lit pour Athéna, plutôt sur celui-là. Mais Calice, je sais pas, parce que Calice elle est un petit peu fatiguée parce qu'il a plu toute la journée. On a été visiter Auschwitz, c'était très émouvant. Voilà. Il n'a pas fait chaud. Sous la pluie toute la journée. Et bon, j'espère que tu vas pas être malade. Et que tu vas pouvoir te reposer. Et la salle de bain. Et les surprises. Avec les surprises quand même, tu l'as mérité. Voilà, regardez. Une salle de douche italienne. Magnifique. Allez, je vais cacher deux petites surprises qui va redonner du beau moqueur à Calice. Moments later. C'est bon, vous pouvez sortir de votre cachette. C'est quoi cette cachette? Regardez-moi ça, c'est bien son placard. Bonjour. Coucou. Coucou. Alors, trouvez-moi ces surprises. Bien. Oh. Ah bah direct. Elle est en forme, Calice, finalement. Là, pour trouver du Nutella, il y a du monde, hein? Ouais. Alors, en fait, ça, c'est la surprise d'Athéna, mais vous pourrez partager. Par contre, il y a raison que la surprise de Calice... Vous êtes doué ce soir. Alors, la lumière. Oh, trop beau comme ça. Donc, Athéna, oh, tu chauffes, tu brûles par là, Athéna. Oh. Ah, t'as trouvé la surprise de Calice? Calice, c'est pour dessiner. Ouais. Eh ben, bravo. En tout cas, Auschwitz, c'était quand même un moment particulier dont on se souviendra, puis l'émotion que cela peut provoquer, et puis il faut pour se souvenir tout simplement. Hello. On va te reposer Calice et on se retrouve là dans quelques secondes pour le nouvel hôtel, à moins que je filme un petit peu la piscine, on va voir. Okay. Allez, let's go. Et là, c'est la piscine, elle est magnifique. Elle est bonne l'eau? Ouais. Ok, c'est trop beau. Calice se repose dans la chambre. Ouais. Ça fait du bien? Ouais. Ok. Bon voilà, c'était la piscine de l'hôtel. Ah oh, ben t'es bien là. Ouais. Jacuzzi tranquille ou bilou. Avec une magnifique piscine. C'est parti les filles. Waouh, ça y est, on est à l'intérieur de cet hôtel, on est en Autriche. Coucou Athéna. Ah. Oh non. Il est trop beau cet hôtel. Qui va ouvrir la chambre? Allez, go. Athéna. Allez. Nouvelle chambre, c'est toujours la surprise. Oh, c'est trop beau. C'est grand, c'est spacieux. C'est magnifique, c'est dans les tons jaunes et gris, j'aime bien, c'est assez sobre. Ouais, j'aime bien ce côté contemporain, avec bien sûr vue sur... La mer. La mer, évidemment, j'y tiens. La mer. C'est pas évident chaque fois de trouver ce critère, hein. Surtout en Autriche. La mer, c'est dur de la trouver, mais regardez, elle est là, elle est devant nous. Et puis en plus là, c'est marée haute. C'est pas la mer. C'est la mer. C'est un océan, tu vois là. Chut, c'est un océan. Ah oui, c'est un océan. Bon. Sautage sur les lits sur celui-là, hein, comme d'habitude. Oh, c'est transparent, celle de bain. On va s'amuser. Coucou. Ah, il y a quand même un rideau. Ah, ouf.
Ah oui, c'est mieux comme ça. Ah oui, c'est très tamisé. Ah oui, il y a plusieurs teintes. Là, il y a un petit bouton. Et à chaque fois que j'appuie sur le bouton, waouh, ça change la couleur de la salle de bain. C'est classe. Yeah. Bon, coucou. C'est mignon. Ah, hey, ça, c'est au cas où on tombe dans la douche. Ça, j'ai jamais vu ça. Alors, sautage sur le lit, les amis. Saute plus, Kaïs, salut. Plus ça va dans ce voyage, plus on est fatigué. Pourtant, on dort, hein. On dort, on fait de la route, hein. On fait de la route. L'avion avec moi. Ouais, on est rendu à plus de 3000 km déjà. Bon, je vais chercher les surprises. Allez, surprise. Moments later. Allez, vous pouvez sortir de vos cachettes. Athéna, tu peux sortir. Et vous pouvez chercher. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oula, c'est casse-tout. Ah non. Non. Normalement, depuis le début, voilà. C'est ta surprise. Depuis le début, je crois qu'on n'est pas surprise de sa sœur, on la prend et après, bah, l'autre sœur cherche la surprise de sa sœur respective. Je sais pas si vous avez. Bah non, la toute première règle, c'était pas ça. Mais je sais plus en fait. Ça la fait... toute première règle, c'est si on la voit, bah on n'y touche pas. Ouais, t'as raison. On a dû changer au fur et à mesure, c'est pas grave. Ah oui, il y a un mini bar aussi, je crois que c'est un placard. Non, c'est un. J'aurais pu cacher ça là-dedans. Si, c'est chaud. Ah, il y a un balcon, ouais, c'est vrai que je pourrais faire un tour sur le balcon aussi. Waouh! Hé hey, oh! Y'a quelqu'un? Non! Ça ne nous dit pas où est ta surprise, parce que c'était vraiment la surprise d'Athéna, hein, celle qu'Athéna a trouvée. Minecraft, forcément. Tu brûlais. Je brûlais. Et tu refroidis. Je refroidis. Oh là là, tu refroidis encore plus. Oh! Et ben voilà! Qu'est-ce que c'est? C'est de la peinture. Ouais, c'est de la peinture acrylique, ouais. Les couleurs primaires. Parce que tu voulais de la peinture acrylique. Et le blanc. Et peux l'ouvrir? Allez, vas-y, oh, bah, bien sûr, tout le monde attend que ça. C'est une petite figurine métallique, normalement. Oh, elle est pas mal, ce Steve. C'est un petit Steve. Oh, trop mignon. Il est stylé. Mm-hmm. Oh, bah super. Bon, bah on va se retrouver pour... Je crois qu'il reste un hôtel. On va voir ça maintenant, on se retrouve tout de suite. Allez, un autre hôtel ici en Allemagne, le Base Hôtel, qui est vraiment juste à la frontière de la Suisse, à côté de Bâle. Ça y est, on est arrivé, chambre 22. Ouais. À tout l'honneur, Kaïs. Non, faut pas bouillir parce que... Allume la lumière, t'es là ? Voilà. Donc c'est une petite chambre d'hôtel, parce que je savais qu'on arriverait tard. Oh, c'est cosy. Oh, bah c'est good. C'est good. C'est good and tag. Voilà, ça d'eau, ça, efficace. Voilà, mais c'est bien, parce qu'on va faire une petite nuit. Il faut absolument que je filme les toilettes allemandes. Regardez, je ne veux pas de dessin, mais il y a une partie, ouais, quand tu t'assois, une partie pipi devant et puis l'autre derrière. En fait, il y avait une petite cuvette quand on tire la chasse d'eau. Ça touche comme un cuvette. Ah, je ne connaissais pas les toilettes allemandes. Ah. Non. Je vais quand même vous cacher des surprises. Allez, c'est parti. A few moments later. Ça y est, c'est parti les filles. Alors durant notre périple pour aller en Pologne, on va vous chercher des surprises. On est passé donc par la France, par l'Allemagne, par l'Autriche, par la Slovaquie, la Hongrie d'abord. La Pologne, évidemment. Ah, première surprise, bravo. Et c'est ta surprise, Athéna. On est passé ensuite par la Tchéquie, le Liechtenstein. La Suisse. Je t'avais cherché. Et après, on va rejoindre bien sûr la France. Et on a fait des switches. Hein. Et bravo pour la deuxième surprise. Ce qui fait donc 9 pays en 2 semaines. On n'a jamais fait autant. L'année dernière, on a fait 8 parcs d'attractions en 2 semaines. On a battu le nombre de pays. Et bien sûr, c'est vu sur la mer. Mais je ne sais pas si on peut bien voir. Voilà. On a vu sur la mer. Regarde, Athéna, il y a un hérisson. Là, il est un peu dans le noir. Donc ça, c'est ta surprise. C'est une sorte de casse-tête. C'est un cube que tu défais. Quand tu veux faire le cube, c'est satisfaisant aussi. Non, c'est juste un truc satisfaisant. C'est juste satisfaisant. Mais au début, c'est pas trop. Attends. Juste satisfaisant, mais est-ce que tu sais faire le cube?
Ouais, regarde, hop là. Et à partir de la formation de la couronne, normalement. C'est pas si simple. Attends. Ouais, je sais, j'ai une autre technique. Toi, ta surprise, Calice, c'est... du miam miam. Une barre chocolatée. Je l'ai acheté où? Je sais plus, en Pologne. Polonais, hein, je crois. Donc voilà, c'est une sorte de Snickers. Et des... Non, c'est des noisettes, d'ailleurs. Bon, ouais, bravo, Athéna. Et même une machine à café. Il y a des serviettes. Tiens, un sèche-linge. Non, un sèche-cheveux. Je suis fatigué. Oui. Et en fait, on a oublié le sautage sur les lits. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle s'en crie parce qu'il est tard. Il y a des voisins, je pense. Ouais, ah, silence. Oh, mais il a l'air bien. Il a l'air bien, ce mec-là. Ouais, on va tous s'engager. Non, pas sur celui-là. J'ai eu peur. C'est trop bien, non? Bravo les filles pour ces hôtels, pour ces surprises. J'espère que vous avez aimé. Laissez un petit pouce en l'air. Partagez, commentez. On se retrouve pour la conclusion dans quelques secondes. Mais d'abord, on va faire un gros dodo ou un petit dodo. A tout à l'heure les filles. A tout de suite plutôt. Et bonne nuit. Ça bouge vachement. Et ça y est, on a trouvé un autre Lego Store. On a fait le Lego Store à Munich, le Lego Store à Vienne. Là, c'est le Lego Store à Zurich, ici en Suisse. Alors, avant d'aller faire un petit tour, Athéna, on va se faire la conclusion. C'est quand même une vidéo medley hôtel, hein. Pas medley Lego. On se fait plein de gros bisous. J'espère que vous avez aimé ces sautages sur le lit, tous ces hôtels. Dites-nous en commentaire quel hôtel vous avez préféré. Nous, on a bien aimé celui... avec le spa, avec Greg. L'écran au milieu de la pièce. Je sais pas si vous visualisez. Ouais. Puis un... Moi, j'ai bien aimé celui avec la piscine grecque, là, avec la statue. Ah oui, Ah oui, c'est génial celui-là. Ouais, génial. Le resto pas mal et pas cher. Vraiment bien. Bon, allez, gros bisous. J'espère que vous avez kiffé. Laissez un petit pouce en l'air, partagez, commentez, abonnez-vous. Nous, on va se reposer. On va rentrer là maintenant. Il n'y a plus d'hôtel. On va faire un gros dodo à la maison. On va reprendre la route là dans quelques instants. Allez, gros bisous et surtout, n'oubliez pas. Soyez beau. Soyez bien. Soyez bon. Et vivez vos rêves. Et moi, je vais me raser. Bonne idée.